Haute-Garonne, merci d'être avec nous. Une France à l'arrêt le 7 mars prochain, concrètement, ça veut dire quoi? À quoi devons-nous nous attendre? Déjà, quand je vois le sujet et que je regarde les chiffres de la police, je pense que la préfecture, aux ordres de la Première ministre, est en train de finir de se décrédibiliser. Et il y avait plus de 2,5 millions de manifestants. Alors on va pas rentrer dans la bataille des chiffres. Non, ce n'est pas une bataille. Il y avait 2,5 millions de manifestants dans les rues de France hier. Et des gens qui expliquent que le projet, il n'y a qu'une chose à faire avec, c'est le retirer. Mais le ministère de l'Intérieur prend acte de la forte mobilisation. Encore une fois, très concrètement, blocus du pays le 7 mars prochain, ça veut dire quoi pour vous? Une fois qu'on a fait la démonstration que tout le monde est opposé à ce projet, vu que si le gouvernement ne bouge pas, on appelle les salariés à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Donc dépôt de carburant, transport, école, services publics, hôpitaux, télévision, absolument tout. Voilà. Qu'on soit bien clair, à commencer que les seules choses qui continueront de fonctionner, ce sont les services d'urgence et les soins. Le reste, ça s'arrête. Parce que trop, c'est trop. Comprenez, il y a les retraites. Mais on n'a pas fini non plus avec les salaires. Il y a un problème de conditions de travail dans ce pays, un problème de chômage. Et donc, il y a un moment où les salariés disent stop, et ça va se matérialiser. Ça se matérialise très fort. On le verra le 16 aussi. Et ça va se matérialiser encore plus. Le 16, jeudi prochain, ce sera Albi avec la présence du patron de la CGT et de la CFDT. Un fait inédit. Pourquoi ce choix d'une ville moyenne comme Albi où il y a une forte mobilisation, on l'a constaté. Parce qu'une des caractéristiques de ce mouvement, c'est qu'il y a de très forts mouvements de grève et de manifestations dans les villes dites sous-préfecture. Bon, les petites villes, on a Saint-Gaudens en Haute-Garonne, mais on pourrait multiplier les exemples dans la région. Et ce sont certainement des zones qui sont particulièrement déconsidérées, dans lesquelles il n'y a plus de services publics, dans lesquelles les difficultés de tous les jours sont vécues encore plus difficilement qu'ailleurs. Et pourquoi, Albi, savez-vous pourquoi ce choix a été pris par Philippe Martinez, patron de la CGT, oui, Laurent Berger de la CFDT. Par les 8 secrétaires généraux et présidents des organisations syndicales, je tiens à souligner, avec une unité syndicale sans faille qui continue et qui continuera. Donc, pourquoi Albi en Occitanie? Peut-être parce que c'est chez Jaurès, mais en tout cas c'est surtout pour symboliser le fait que les organisations syndicales, elles sont bien sur le terrain avec les salariés. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est un invité de Dimanche en politique aujourd'hui sur France Info. Il dit que la négociation n'est pas close, qu'il pourrait y avoir des avancées. Laquelle pour vous faire cesser le mouvement? Alors je ne sais plus quelle avait été la formule de la Première Ministre, mais il n'y a qu'une chose à faire avec le projet, c'est de le retirer. Et ensuite de passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que sur la retraite, il va falloir quand même qu'on regarde les choses en face. Les pensions, elles ne suffisent pas pour vivre aujourd'hui, d'accord? Pour un paquet de salariés. Ensuite, les salaires, le compte n'y est toujours pas. Donc nous disons, quand il y a une mobilisation aussi importante, c'est trop, les salariés qui disent trop, c'est trop, on n'en peut plus. Rejet en bloc de la réforme. Je pense que tout le monde a été bien clair là-dessus. Le mouvement ira jusqu'au rejet de la réforme. Il n'y a rien à négocier là-dedans. Et puis ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Et donc vous maintenez cet appel à la grève générale, à bloquer le pays le 7 mars prochain. Philippe Cobert, merci. Cédric Cobert, merci d'avoir accepté notre invitation. Direction le Lot.